Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis occupé à faire des portes avec du plaquage en chêne massif avec une feuille Kraft sur l'arrière. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter justement ce kit de démarrage pour encollage de ce type de feuille. Alors, ces bonbonnes avec le pistolet maroufleur, nettoyant, etc., je vous ferai quelques images, fonctionnent aussi bien pour les feuilles de stratifié que pour ce type de plaquage. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai pris contact avec la société Rectavit. Donc c'est un fabricant de colle. Je travaille, pour ne pas dire principalement, avec leur colle depuis des années. Donc que ce soit la colle blanche, que ce soit la Structane dont je parle régulièrement dans mes vidéos, ou bien les silicones, etc. Je travaille principalement avec la marque Rectavit. Alors, quand j'ai eu ce fameux projet avec mes portes, avec les triangles à imbriquer en collage, donc c'est un genre de marqueterie, si vous voulez, mais à grande échelle, même si je ne sais pas si ça peut s'appeler la marqueterie, ben, tous les marketeurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas. J'ai pris contact donc avec la société parce que je connaissais leur système de colle et je voulais m'assurer de commander la colle adaptée à mon projet. Donc, comme je le répète, ici, c'est des feuilles de chêne massif que je vais devoir coller sur des panneaux hardboard pour faire des triangles, etc. Là, je vais devoir coller une feuille de plaquage en direct sur mon panneau parce qu'on doit faire une double porte avec, bah, tout simplement fil droit, etc. Et c'est l'occasion donc de vous présenter ce produit. Alors, quel est l'avantage réellement de ce produit par rapport à une autre colle néoprène? C'est que ce système ici, en fait, c'est des gouttelettes qui vont être pulvérisées plutôt que des filaments. Comme vous aviez déjà vu, j'avais fait une porte avec du plaquage vert pour une cuisine équipée. C'était une porte qui coulissait et qui passait derrière le mur, ou même d'ailleurs le meuble hôte. C'était là vraiment une colle avec des filaments. Dans ce cas-là, on essaye que les filaments soient en deux couches croisées. D'accord? On essaie en tout cas de croiser les couches. Tandis que ce système-ci, le gros avantage, c'est que c'est uniquement une pulvérisation de gouttelettes qui sont très fines et donc qui permettent justement de travailler avec des plaquages vraiment ultra fins comme ceci. Vous allez voir, je vais vous faire la démonstration. Et voilà pourquoi est-ce que je trouvais intéressant de vous parler de ce produit, puisque ben voilà, je vois, ben, comme Swan par exemple et d'autres, il y a pas mal de professionnels qui regardent la chaîne et je trouvais intéressant de vous parler de ce produit qui est un peu différent, qu'on ne connaît pas beaucoup, j'ai le sentiment, alors que c'est vraiment super adapté à notre travail, justement quand on fait du plaquage. Alors, il faut savoir que ce système-ci, c'est le Neospray 1049. Il existe en couleur invisible, donc c'est une colle transparente, donc qui va mouiller votre support, mais il existe ou elle existe aussi en rose, ce qui va vous permettre justement de voir là où vous passez sur vos panneaux. Si vous avez des panneaux mélaminés blancs à coller par exemple, vous voyez exactement où vous êtes passé et la quantité de colle que vous mettez. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, je dirais bien c'est relativement simple. Vous avez une bonbonne, un tuyau que vous allez simplement connecté d'une manière correcte. J'ai fait quelques petites brides de vidéos pour vous montrer qu'il y a un sens parce qu'il y a un cône vers l'avant et un cône incurvé et les deux tuyaux doivent aller évidemment du bon côté. Ouvrir votre bonbonne et la bonbonne doit rester tout le temps ouverte. Donc on ne referme, une fois qu'on a commencé à travailler avec la bonbonne, on l'ouvre, on ne la referme jamais. J'ai appris ça par justement la personne qui m'a présenté le produit. À l'intérieur, ben comme toute bonbonne sous pression, il y a du gaz et donc il faut toujours secouer sa bonbonne pour mélanger le gaz à la colle, ben pour que déjà le composant se fasse correctement, mais aussi surtout pour ne pas vider tout le gaz avant d'arriver à la colle. Et on se retrouve alors généralement avec un fond de colle dans la bonbonne qu'on ne sait plus utiliser puisqu'il n'y a plus suffisamment de gaz pour pulvériser la colle. D'accord? Alors, une fois qu'on a installé tout notre système, etc., on a un pistolet avec une petite molette ici de réglage qui va nous permettre justement de régler la bonne quantité de colle que l'on souhaite. Donc moi, j'ai une petite boîte en carton dans laquelle je fais mon essai. Une fois que j'ai la quantité qui me convient ou la pulvérisation qui correspond à ce que je souhaite, je suis parti. Pour la mise en place, ben, je vais tout simplement vous faire la démonstration. Allez, c'est parti. Je secoue ma bonbonne, je pulvérise un petit peu et puis on essaye ça. Ok, donc une fois qu'on a notre pistolet, on le referme toujours, donc on resserre la petite molette ici à fond, et puis on la desserre. Donc moi ici, le commercial m'avait montré qu'il faisait 3 tours, donc 1, 2, 3, et puis on vérifie en fait le jet. Voilà, ici j'ai vraiment un jet continu, donc un jet en triangle, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra.
Alors, une fois que c'est fait, eh bien, on va passer au support. Alors, l'important, c'est partir de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, peu importe, mais avoir un mouvement continu, la même hauteur au-dessus du support et rester parallèle. Donc, pas faire des mouvements comme ceci. Il faut vraiment rester continu, aller au-delà de la pièce et repartir au-delà de l'autre pièce tout en regardant notre mouvement continu. Donc, on ne fait pas des mouvements de pulvérisation. Donc, on n'appuie pas, puis lâcher, appuyer, appuyer. Non, ça doit être continu. Je vais essayer de vous montrer ça. Bien passer au-delà de notre support pour être certain d'avoir suffisamment de colle sur le bord et que notre panneau adhère. Voilà, donc là j'ai un support bien homogène et je vais passer donc à la partie à encoller. La deuxième partie. Toujours veiller à ce que notre tuyau soit libre sur toute la partie à encoller pour être certain de ne pas avoir d'à-coups. Et c'est parti. Voilà, je referme mon pistolet uniquement, mais ma bonbonne, comme je dis, reste ouverte. Pourquoi ? Pour qu'il y ait toujours un échange de gaz dans le tuyau. S'il n'y a pas cet échange de gaz dans le tuyau, la colle va sécher et votre tuyau sera inutilisable. Okay. Donc voilà, ici, on voit que la couche est homogène, d'accord ? Qu'il y a de la colle bien partout et bien sur les bords. Comme ici, pareil, on voit bien les bords. Ça, c'est très important. Et le fait de rester droit, vous voyez, le champ de ma porte n'a pas de colle. Une fois que notre support est encollé, on doit juste attendre, comme toute colle contact, que justement les deux parties soient totalement sèches. Alors, si j'ai bien compris, c'est jusque maximum 45 minutes. Donc, quand vous avez une température ambiante correcte, moi ici dans l'atelier, il fait 19 ou 20 degrés, plus ou moins. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, d'ici 5 minutes, 5-6 minutes, je devrais pouvoir coller mes deux supports les uns les autres. Alors ici, je vais essayer de reprendre la technique de Michel ou Michael Tordoir. Je ne voudrais pas me tromper, c'est Tordoir ou Tourdoir, je ne sais plus, qui m'avait conseillé, contrairement à ce que j'avais fait la dernière fois, où j'étais parti du bout de la porte vers l'autre bout. Ici, on va mettre toutes des baguettes espacées le plus proche possible et je vais partir du milieu de ma porte. Et puis encoller à droite et à gauche. Voilà, c'est ce qu'on m'avait conseillé de faire. Comme je le dis, j'ai déjà fait pas mal de plaquages dans ma vie, mais ce n'est pas ma spécialité. Et donc, c'est toujours très intéressant d'avoir des conseils de personnes qui le font plus régulièrement que nous. Donc, je remercie Michel, et j'espère que je ne dis pas de bêtises, pour ce bon conseil. Allez, on va installer toutes nos baguettes et on va coller tout ça. J'ai mis beaucoup plus de baguettes, elle se laisse passer de combien là? 10 cm, Ethan. Ouais, mesure ouais. Un petit peu, histoire qu'on se rende compte. Voilà. C'est ça? Hein? Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va la positionner. On va positionner notre feuille par-dessus. Avec délicatesse. Enfin, on va essayer en tout cas. Donc, attends, Ethan. C'est pas encore tout à fait sec, mais c'est pas grave. Ok. Hop là, voilà. Alors, voilà, on peut la poser dessus. Donc, vous voyez, cette fois-ci, contrairement à la dernière fois que j'avais fait du plaquage, il y a beaucoup plus d'espace. Donc, la feuille est aussi beaucoup plus souple, hein, puisque ici, c'est du chêne véritable. Hein, donc, c'est une feuille de 0,6
millimètres. Et donc, j'aurais peur que le moindre mouvement vers le bas puisse venir toucher et rentrer en contact avec l'autre surface. Et donc, ça adhère directement. Et là, c'est un peu catastrophe. Donc maintenant, on va tout simplement aligner notre feuille aux mesures qu'on avait déterminées. C'est-à-dire que moi, je fais sortir ma feuille d'un centimètre à droite et d'un centimètre à gauche. Une fois que ça, c'est aligné, on va aligner l'avant et l'arrière de 2 cm, donc 2 cm au-dessus et 2 cm en bas. Et à partir de là, je vais partir, en tout cas, je vais suivre le conseil de Michel Tordoir, si mes souvenirs sont bons, et je vais partir du milieu, retirer une baguette, plaquer le centre, et alors m'écarter vers la droite et puis vers la gauche. Alors, on va déjà mesurer, Ethan. Et c'est ici que les Romains s'empoignèrent. Donc, je vais retirer la baguette ici au centre, délicatement. Ok. Une deuxième. Délicatement. Voilà. Et je vais donc pousser ici au centre. Voilà. Et je vais partir donc de la droite. Je vais pouvoir lever ma feuille et la faire avancer comme ceci. Voilà. De la droite vers la gauche. Si tu veux bien. Hop. Voilà, je fais pareil de l'autre côté, donc je retire mes baguettes, je vais relever ma feuille. Et voilà, maintenant je vais bien maroufler avec mon rouleau. Donc en partant du milieu et je vais m'écarter en insistant bien sur les bords pour être certain d'avoir quelque chose de bien collé. Alors ce qui est bien avec ce rouleau, c'est que c'est assez ergonomique. On a une poignée ici au-dessus et l'autre par rapport au petit rouleau que moi j'avais avant. Alors il en existe aussi avec des rouleaux. Donc ça c'est pas grave hein, par exemple, puisque je dois vraiment aller sur le bord. Donc je pourrais appuyer même ici pour m'assurer justement un bon collage sur l'arête. D'accord ? Et là, je fais pareil, doucement, pour éviter de casser la fibre. Mais j'incline légèrement mon rouleau comme ça sur l'arête pour être certain que les côtés de ma feuille adhèrent parfaitement. Voilà. Alors maintenant, pour vérifier que je suis bien plat, que je n'ai pas fait justement de bouloche et trop de surépaisseur de colle, je vais prendre ma lampe de poche et je vais venir vérifier tout le long justement si je suis parfaitement plan et si je ne vois pas de bouloche. Ou de bulle, hein. Voilà, donc je suis bien. Alors si j'avais éventuellement fait une bulle, donc que j'aurais emprisonné une bulle d'air dedans, étant donné qu'il y avait de la colle partout, il suffit de prendre en fait un cutter, donner un petit coup de cutter et repasser, soit avec un fer à repasser pour redonner un petit peu de souplesse à la colle, d'accord ? Et là, vous allez récupérer donc cette petite bulle d'air éventuellement qui se situerait
à un endroit ou à un autre. Ici, je suis hyper satisfait. Ça a l'air d'être vraiment nickel. Maintenant, je vais recouper mes bords avec ma défonceuse, tout simplement. Je vais affleurer mon bord, et puis donc avec une fraise à roulement. Et puis, je passe de l'autre côté pour faire l'encollage d'un panneau 13 mm. Mais avant, je vais encoller l'autre ventaille. Okay. Et voilà, on est arrivé donc à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu voir, c'est relativement simple. Le produit, moi j'en suis plus que convaincu. Je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube d'ailleurs de Rectavit ou sur leur site internet où il est repris toutes les caractéristiques des différents types de sets de démarrage ou kits de démarrage. Vous pouvez très bien avoir des kits de démarrage de colle néoprène pour coller sur des surfaces planes, mais il existe aussi pour des surfaces courbes. Ils vendent aussi de la colle EPDM, ce genre de choses. Si vous êtes intéressé éventuellement par une vidéo de présentation de différentes colles pour vous rendre compte de ce qui existe un petit peu sur le marché, ben, je dirais bien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de demander aux représentants de chez Rectavit de venir faire une petite présentation de leurs produits ou plutôt de leur colle pour qu'on se rende compte un petit peu de ce qu'il y a sur le marché, comme je l'avais fait avec Rubio. Donc tout ça totalement gratuitement, mais juste pour montrer un petit peu ce qui existe sur le marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.